has fallen down. My take the keys and lock them up. Yes, go on, do it. Lock them up. Yeah, lock them up. Bonjour à tous et bienvenue sur Gameblog. Nous sommes devant un petit jeu qui a l'air fort intéressant. Oui, Happy Few, c'est son nom. C'est un jeu qui a été présenté pendant la conférence Microsoft, notamment la conférence Xbox, qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps. On est devant ce jeu-là parce qu'il nous a tapé dans l'œil. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'il dépeint un univers assez fou. Également au niveau des mécaniques de jeu, il est particulièrement intéressant. Alors c'est un jeu qui est encore en phase, qui est en alpha, hein, donc tout n'est pas terminé, loin de là. Mais il y a quelque chose d'assez surprenant avec ce jeu-là. Pour vous décrire un petit peu le concept, on est en fait un personnage à chaque fois différent quand on recommence une partie. Donc il y a un petit côté roguelike où même la ville dans laquelle on va apparaître va être générée d'une manière plus ou moins aléatoire. Et on va devoir se déplacer dans cette ville où... En fait, on va devoir survivre et parvenir à s'échapper en évitant la population locale. D'ailleurs, les gens qui habitent dans cette ville sont un petit peu tarés. Et on dirait qu'ils sont issus de Bioshock, par exemple. Et c'est des personnes qui vont se jeter sur vous dès que vous allez avoir un comportement un peu louche, etc., qui vont vous attaquer. Et on va devoir, de temps à autre, liquider un personnage en toute discrétion, puis après essayer de cacher le corps, essayer de se débrouiller pour se faufiler comme ça dans cette ville. Et donc arriver à survivre. Il y a aussi tout un côté crafting qui a été développé pour le jeu, qui a l'air assez complexe d'ailleurs. On peut se fabriquer des tenues, etc. Enfin, on peut utiliser différentes sortes d'objets. Donc ça a l'air assez complexe à ce niveau-là. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'au niveau de l'ambiance et au niveau de ce que ça donne comme sensation pendant une partie, pour l'instant c'est fort réussi. Reste à savoir si les développeurs vont quand même avoir le temps d'ici la sortie du jeu, qui je crois est prévu pour début 2016 ou par là. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de corriger un petit peu certains problèmes d'IA qu'il peut y avoir encore pour l'instant, ou même au niveau graphique, parce que pour l'instant ce qu'on a vu, alors c'est normal, c'est une version alpha comme je l'ai dit, enfin alpha quand même bien avancée. Il y a beaucoup de personnages qui sont, enfin c'est un peu l'armée des clones pour l'instant, hein, voilà, enfin ce genre de choses qui vont pas très bien, la physique aussi est pas complètement bien gérée, mais je pense que ça va être clairement un des jeux à surveiller du côté de chez Microsoft, parce que là on a un jeu qui va sortir donc sur Xbox One et sur Windows 10. À suivre de près. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur ce petit jeu, mettez le mot dièse Gamescom GB et posez-nous toutes vos questions, on essaiera d'y répondre. Merci, à bientôt. Out of sight, my fair lady.